Gros bonsoir pour tout frère Maxime qui sur réseau Jésus 100% la vie. Et nous dit bon Dieu merci pour une soirée qu'elle était fait nous passer en bien. Et lui permettre nous jour ça qui c'est vendredi 26 mai dans l'année 2023. Nous dit bon Dieu merci pour ça. C'est une grâce qu'elle pas mérité, mais et il fait nos cadeaux et nous mériter pour nous dire merci pour ça. Et Seigneur, c'est lui qui toujours veille sur nous, c'est lui qui toujours garde nous, c'est lui qui toujours protège nous. Nous pas capable de dire merci et n'a toujours fait louange pour lui. Parce que dans la situation n'a vécu là, il est toujours là. Il pas quittant rien malgré nous, nous sorti, nous rentrer la caille nous. Quelle que soit l'activité que nous allons régler, nous allons nous tourner en bien. Nous-mêmes qui sommes à l'étranger, protégez-nous. Nous-mêmes qui sommes à Haïti, tout Seigneur, protégez-nous. Nous disons merci pour ça. Et nous pouvons suspendre, faire louange pour lui. Et voir ce qui a passé là, nous attendons là, c'est voir évangéliste. Lui, bien, rigueur, c'est moi-même qui ai demandé à Jodi là pour me capable de porter une rubrique pain de vie pour nous. Juste avant nous dans rubrique là on salue quelques monde qui sous réseau et nous saluer et maman groupe là et sœur Gina Chol et mab qui font des groupes ça et nous saluer maman groupe ça, nous dit bon Dieu merci pour et nous saluer papa groupe là aussi Pasteur Jimmy Charles et tous deux ses membres fondateurs groupe ça. Nous saluons frère Janvier Sekele, nous saluons docteur Oudmarie Kaïdo, nous saluons docteur Walk, nous saluons frère Figaro, nous saluons frère Rio Ronald Michel, nous saluons frère Watson Normil, nous saluons frère William Slaouza, nous saluons frère Calix, nous saluons frère Dossé Désir, nous saluons frère Abakuka, nous saluons frère Jean-Denis Jean-Charles, nous saluons frère Mikanol Clergé, nous saluons frère Pierre, nous saluons frère Roland Marius, nous saluons frère Joël, nous saluons frère Louis-Marie Jean, nous saluons sœur Rosemarie Denis. Nous saluons sœur Roselaine Célian, nous saluons sœur Tazi, nous saluons sœur Tiwila, nous saluons sœur Gerlanda, nous saluons frère Bergel Vénor, nous saluons sœur Célestin Jean, et nous saluons frère et sœur Février Libonaise, nous saluons frère Géraldson, nous saluons pasteur Rosias, nous saluons sœur Rose, nous saluons frère Valcourt, et nous saluons tout le monde en général qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie. Nous de retour et voir ça qui a passé là encore une autre fois, c'est moi-même, évangéliste Lubin Rigueur, qui pral pote rubrique pain de vie pour. Et rubrique pain de vie, titre li jodi a, c'est les bienfaits de la prière. Et nous pralouer plusieurs points, nous pralouer que la prière permet, li permet nous pour être capable de connaître Jésus-Christ plus bien. C'est-à-dire la prière nous permet de connaître Jésus davantage. Et deuxième point, nous voilà, la prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu dans nos vies. Et troisième point, nous voilà, la prière nous permet de vivre dans la volonté de Dieu. Et quatrième point, la prière est une guerre spirituelle. Et ces quatre points, ça, nous gagnons pour nous capables dans la rubrique pain de vie pour. Après ça, pour nous capables à conclure. Et nous-mêmes nous connaissons en tant que chrétiens l'importance de la prière pour nous. Et nous connaissons la prière, c'est un moyen direct pour nous capables de parler avec Dieu. Et c'est ça. Et ça fait dit nous dans Psaume 150, le verset 15. Et relève-le nous notre et m'a venu, m'a délivré nous. Oui, la prière est importante, bien aimé. Et c'est peut-être ça, nous pourrons montrer les bienfaits de la prière dans la rubrique là, journée, jeudi. On a tourné dans l'autre moment. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et sujet non pour jeudi, c'est les bienfaits de la prière. Et nous disons tout ça que la prière, c'est moyen direct que nous sommes capables de parler avec Dieu.
Et nous avons un texte, c'est Marc 1er, le verset 35. Eh bien, il dit comme ça, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Verset ça fait référence avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, là, après dans verset puis ou depuis dans verset 34, 32, 33, 34, il dit Jésus-Christ est fin guéri un groupe monde. Eh bien, après guérison ça, il était prend un petit temps et pendant qu'il était fait très sombre, il était levé là le prier, c'est-à-dire Jésus-Christ a rechargé batterie, il pas oublié que et là-bas et puis les faut qu'il faible mais gon côté tout pour l'aller derrière pour l'aller recharger batterie mais passage ça et Marc 1er verset 35 lui montre nous que Jésus il était qu'on prier et pas seulement était qu'on prier non il était qu'on prier constamment. Bon, si Jésus-Christ lui-même qui était qu'on prier, à combien plus forte raison nous-mêmes pour nous pas prier tout parce que c'est si nous besoin que bon Dieu fait quelque chose, si nous besoin ouais importance bon Dieu gagne c'est par la prière. Eh bien, li important pour nous-mêmes et pour nous bailler toute importance et ak vi nou qui c'est une vie de prière. Ça veut dire pour nous faire de vie nous une vie de prière parce que la prière li gagne plusieurs bienfaits et c'est dans optique ça et nous pour aller tout à l'heure et premier point nous qui c'est la prière nous permet de connaître Jésus davantage. C'est premier point ça nous pas le développer pour n'a tourner dans l'autre moment. La prière nous permet de connaître Jésus davantage. Eh bien connaître Jésus c'est un bagage qui est indispensable. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu. Et la plus grande ambition que nous devons gagner, c'est qu'on est là. Eh bien, là, nous connaissons là, qui ça nous vient, nous vient façonner de plus en plus à l'image du Christ. Parce que l'objectif chrétien, c'est pour connaître Jésus-Christ davantage. Eh bien, qui est la meilleure façon que nous sommes capables de connaître Jésus davantage? Eh bien, c'est passer du temps avec lui. Na qui j'en nous capacité tant ça avec lui c'est dans la prière et de la parole de Dieu. Chrétien pour capable connaître Jésus-Christ davantage, lui doit non seulement à prier et puis pour l'appeler parole bon Dieu. Et là comme ça, l'app capable tendre voir bon Dieu qui parle. Et les ça l'app capable connaître Jésus-Christ bien. Et parfois nous aimons prier. Pas vrai? Parfois nous aimons prier mais nous pas jamais prendre si temps pour nous coûter réponse à la prière. C'est-à-dire, l'on a prié, faut capable prendre si temps tout pour coûter. Et l'on a coûté assez, l'on finit de prier, on prend quelques minutes de silence pour attendre la voix de Dieu qui parle. Ok, prier, c'est tant que c'est parler avec Dieu. C'est-à-dire que c'est mettre bon Dieu en face ou et pour parler ensemble avec lui. Et aussi, la prière, c'est aussi entendre sa voix. Si ma prière, c'est comme si c'est parler, ma parler avec Dieu, eh bien, je suis capable de prendre un petit temps tout pour me suivre la réponse que mon Dieu a donné. Ok? Instruction que, ou bien directive que l'a donné pour la vie, je suis capable de prendre ensemble, ok? Et pour me capable d'entendre la voix de Dieu qui a parlé. C'est ainsi que la prière lui permet nous pour nous capables de connaître Jésus-Christ, puis bien et comment c'est là que n'a prié mon Dieu et puis n'a pris parole lui, laisse n'a venir capable de connaître Jésus-Christ, puis bien et bien dans la prière c'est parler n'a parlé avec Dieu et laisse n'a plus connaître mon Dieu et mon Dieu a fait nous connaître tout et laisse n'a venir connaître Jésus-Christ à travers la prière nous et la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un deuxième point. Et qui est ce deuxième point à dire nous? Disons, la prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu dans nos vies. Et nos contextes de base, c'est Matthieu 6, le verset 10. Il dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
Oui, la prière lui permet nous pour nous imposer le royaume de Dieu dans la vie. Non. C'est-à-dire pour nous inculquer le royaume de bon Dieu dans la vie. Non. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et bien, l'un a prié par la prière qui s'est fait. Et bien, nous fait venir le royaume de bon Dieu dans la situation qui est autour de nous. C'est-à-dire que on va prier pour quelque chose, on va descendre le royaume de Dieu pour le venir dans la situation qu'on a besoin que il fait intervention le pour. OK? Parce que ténèbres yo pas gain choix. OK? Les lumières là venir ténèbres ça fait c'est courir à courir. Et ben là on descend royaume bon Dieu par la prière et ben c'est lumière au fait descendre sous et ben ténèbres yo fuit parce qu'il pas capable de rester devant lumière qui c'est Christ. Laisse à Christ apparaître. Pas qui ça Christ apparaît c'est par la prière. Et ben la prière c'est OK, la prière et c'est mandé pour volonté, OK, pour volonté bon Dieu faite. OK, dans requête ça dans la vie, ça dit requête son besoin. Vous avez besoin pour bon Dieu dit oui. Son besoin baoul par la prière. Ouais, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire que certes nos besoins yon bagay nan men bon Dieu, mais c'est volonté bon Dieu qui pour faite dans requête nous. Et pour besoin nous capable et exaucer. Elle dit papa nous qui dans ciel notre père céleste, lui connaît Dieu qui ça que nous besoin. L'en a prié. OK, en ben c'est peut-être ça les mêmes automatiquement nous prier et puis nous demander pour volonté faite dans la vie nous, les mêmes les gata connaît qui ça la fait dans la vie nous. Et peut-être ça, les dit nous ça dans Matthieu 6 le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, le verset 33. Bien-aimés dans le Seigneur, nous dans le troisième point, les dieux comme ça, la prière est une guerre spirituelle. Elle est offensive et non pas défensive. La prière est une guerre spirituelle. Elle est offensive et non pas défensive. Mais, malheureusement, plusieurs chrétiens et ont toujours été en mode défaite ou bien en mode défensif. En pile chrétien, ils ont pas aimé attaquer, ils ont plus aimé à défendre. Si tous les ennemis ont attaqué, les ennemis ont fait face carré ensemble avec eux, ils ont pas aimé attaquer les ennemis. Ils ont plus aimé défendre. Mais les gens vivent en mode défensif. Qu'est-ce qui vient de passer? Nous pas accepter simplement attaque ennemi non, mais nous subir tout. OK, nous subir attaque là, nous pas seulement accepter parce que nous était en mode défensif, mais nous subir attaque là parce que nous pas voulait envahir ennemi ça pas qui ça par la prière. OK, automatiquement l'a prier ou fait des déclarations sur ennemi ça, c'est-à-dire que ou attaquer ennemi en tout. Mais grand pile chrétien qui puisse rester dans Jésus sauvé. Il aurait été en mode défensif. Pas oublier Josué, il était envahi Canaan par la prière. Et on rappelle que le bon Dieu t'a fini choisi et Josué dans Josué 1er, dans verset 6, il dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et qui ça Josué t'a fini faire dans verset 11 là, il était by l'ordre là. Il te dit, peuple, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. C'est-à-dire, ça t'est venu par la prière, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons camper en mode et attaque, okay? En mode offensif, mais ce n'est pas en mode défensif. Et qui j'en a campé en mode offensif, là, bien-aimé, c'est par la prière. Et la prière, c'est une arme spirituelle qui peut permettre aux 20 ennemis, ok, automatiquement, on a prié chrétien, eh bien, ennemi ça, il n'est pas capable de camper devant nous. Ça montre nous que la prière, il y a un pile bienfait, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous, on a un dernier point. Dernier point, on dit comme ça, la prière nous permet de vivre la volonté de Dieu pour nous. Oui, la prière nous permet de vivre la volonté de Dieu pour nous. Eh bien, si Dieu lui mande nous
OK, pour nous prier pour que volonté le fait et souter ça même elle fait dans celle-là. Et bien c'est que volonté bon Dieu n'est pas toujours faite. C'est ça, puisque n'a prié pour bon Dieu faire volonté souter ça, c'est-à-dire que volonté elle pas et pas toutes les faites. Et bien c'est à nous-mêmes chrétiens, pour nous c'est ça les vaisseaux par lequel Dieu il pral manifester volonté dans vie nous. C'est-à-dire les bon Dieu manifesté volonté dans vie nous, dans vie famille nous, dans travail nous, dans ville que n'a vive, dans nation et côté nous etc. Et bien c'est nous pour bayon conduite pour sa fête. Et bien nous devons prier toujours pour vivre OK nous-mêmes de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que il y a des monde qui demandent bon Dieu pour faire telle ou telle chose pour lui, mais lui-même il pas arrêté dans volonté bon Dieu, il toujours sorti dans ligne que bon Dieu balia pour lui prendre l'autre ligne. Non, bien-aimé dans le Seigneur, soit demander bon Dieu pour le faire volonté dans la vie ou bien pour la faire volonté sous terre ça comme au ciel, et bien ou doué vivions façon pour être dans volonté bon Dieu ça, pour volonté bon Dieu ça capable agréable, pour capable parfait dans nous-mêmes. OK? Et pour nous capables de sortir toujours gagnants, les n'a prié bien-aimés dans le Seigneur. Quittez volonté, bon Dieu, faites dans la vie, non, par moyen de conduite, non, par moyen de comportement, non. Laisse ça et la facile que les nous crier pour nous dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que c'est à travers comportement, non, nous pouvons vivre ça. Et comme on a fait, c'est par la prière. Par la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, et rubrique la censée arriver na fin li, et nous trap traité et un sujet pour qui te gen titre les bienfaits de la prière. Nous te gen 4 points. Nous te montre que la prière li permet nous pour nous connaître Jésus-Christ davantage. Et connaître Jésus-Christ li ils sont éléments clés dans la vie chrétienne. Et bien qui gens chrétiens parlent qu'on est Jésus-Christ davantage c'est les la prier, OK, les li mettez bon Dieu en face li pour connaître bon Dieu, pour parler avec bon Dieu, parce que prier c'est parler et ça pour la parler à bon Dieu puis pour l'attendre réponse que bon Dieu et a balé les ça chrétien a connaît bon Dieu davantage, la connaît Jésus-Christ davantage. Et nous tenons l'autre point, la prière nous permet d'imposer le royaume de Dieu dans nos vies. Et nous te prenons exemple dans Matthieu 6, verset 10, pour que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tout ça, amen, par la prière, nous sommes capables de faire descendre, OK, volonté et royaume bon Dieu dans la vie. Non. Et troisième point, nous te voyons, la prière est une guerre spirituelle. Elle est offensive et non pas défensive. En pile chrétien, mais à défendre, à parer coup, mais il pas jamais attaqué. Eh bien, par la prière, nous devons attaquer les ennemis qui ne sont pas capables de gagner victoire sur nous. Même Jean, Josué a envahi Canaan. Et dernier point, nous avons bien aimé. Nous avons fait que la prière nous permet de vivre la volonté de Dieu par nous. Et bien, et si nous demandons pour volonté de Dieu faite sur la terre comme au ciel, c'est que volonté de Dieu n'est pas toujours faite toutes les. Et bien, c'est à nous-mêmes chrétiens qu'on y a pour nous quitter et pour nous un vaisseau qui pourrait recevoir bien faire bon Dieu ça par conduite non, par comportement non, par action non, et pour nous quitter volonté bon Dieu manifester la carne et comme ça volonté bon Dieu est capable de descendre dans la vie non. Et là nous fait quatre bagages ça on a pour que par la prière volonté bon Dieu l'a manifesté, OK, et royaume ni a venu l'ab descend et puis bien fait lui avec connaissance yo a vinn pour nous et puis l'amour bon Dieu gagne a envahi nous et dans qui sens l'a envahi nous et l'a demeuré la caille nous, OK, l'a fait nous vivre et une vie d'amour, une vie de paix, une vie de et comme te ka dit une vie de et de pardon, OK. Et ben l'a mettez ça dans nous, ça relé le caractère de Christ, les ça pral manifester dans la vie nous. Et n'a pas quitté à grand verset ça, Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur,
c'était serviteur évangéliste Lubin Rigueur qui était poté et rubrique ça pour les bienfaits de la prière. M'espérer que nous toutes, nous prenons l'île et puis pour nous tirer davantage de leçons et puis pour nous bailler la prière, toute importance qu'elle gagne pour nous-mêmes. Bon Dieu bénis-nous, bon Dieu gardez-nous, bon Dieu couvrez-nous, tout qui fait partie du groupe ça. Et nous souhaitons souhaiter nous bon début de week-end et que la vie, bon Dieu, bah, la redemeure dans nous et qu'il fait nous mener en vie et de paix, d'amour et d'abondance. Et que grâce, bon Dieu, accompagne nous toutes et fait nous passer une excellente fin de journée en bas protection. Et grâce, bon Dieu, avec nous toutes et pas oublier mon de là. Une prière pour l'autre, une supporter l'autre, une accompagner l'autre. Quant à moi-même, serviteur évangéliste Lubin Rigueur, et malé, nous prenons l'autre vendredi comme ça pour une autre rubrique. Et pour nous capables de former ou informer ou même qui se peuple, bon Dieu. Bon Dieu bénis nous toutes.